On se retrouve pour notre deuxième numéro de nos entretiens confinés, aujourd'hui avec notre camarade Bruno Ric, secrétaire général du syndicat des hospitaliers de Dieppe, membre de la commission exécutive de l'UL de Dieppe depuis de très longues années, membre de la commission exécutive départementale 76, mais aussi membre du bureau de l'Union départementale 76. Donc Bruno est évidemment au cœur de l'action, comme on pourrait dire, depuis le début de cette épidémie. Il connaît évidemment toutes les problématiques que connaissent ces hôpitaux aujourd'hui, et donc on va lui poser quelques questions pour connaître un petit peu la situation actuelle, notamment sur l'hôpital de Dieppe. Donc, bonjour Bruno, évidemment, on a beaucoup entendu parler de cette épidémie. Et de problématiques qu'il posait à l'hôpital en termes de moyens et d'accueil, mais aussi de matériel. Évidemment, je pense que tu vas nous en dire un mot aussi. Un hôpital ne se borne pas à accueillir seulement les malades du Covid-19, mais continuer à gérer l'ensemble des pathologies qu'elle gère d'habitude. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots quelle est la situation sur l'hôpital de Dieppe et comment le syndicat, bien sûr, a revendiqué, comme je sais que vous le faites toujours, pour que les salariés et les patients soient accueillis dans les meilleures conditions. Bonjour à tous, bonjour à Mathias. Donc on a à Dieppe le même problème que dans tous les hôpitaux. Il manquait des lits avant l'épidémie, il manquait des lits de réa. Et donc la première mesure qui a été prise sur l'hôpital, c'est d'annuler tout un tas d'hospitalisations qu'on appelle programmées, d'annuler tout un tas d'examens, de faire sortir un maximum de patients pour libérer des lits en médecine, en chirurgie, en psychiatrie, d'annuler totalement par exemple l'activité qu'on appelle du bloc opératoire programmé pour être en capacité d'accueillir tous les malades du Covid. C'est ce qui s'est fait, mais au prix du fait qu'on a fait sortir beaucoup de patients. Pour le personnel, on a une énorme sollicitation du syndicat, une énorme activité du syndicat. On a même pratiquement plus d'activités encore que d'habitude, plus de passages ici, dans le local syndical, tellement on est sollicité par les collègues, pour tout un tas de difficultés. D'abord de protection les plus basiques, hein. Il y a eu des grosses difficultés sur les masques. Il a fallu attendre 15 jours pour qu'il y ait des masques en nombre, comme on l'avait demandé, conforme à la réglementation. Il a fallu attendre une semaine pour que les collègues de l'EHPAD aient des masques. Au début, ils n'en avaient pas. Il a fallu attendre 15 jours pour que les ouvriers et les techniques soient dotés de masques 2 par jour, alors qu'au départ, on leur en accordait 1 par semaine. Il y a maintenant un gros problème de surblouse qui n'est pas totalement réglé, puisqu'on a donné des sacs poubelles dans certains services pour se protéger et que ça ne fait pas du tout l'affaire parce que les collègues transpirent énormément en dessous. Et le problème, c'est que le ministère, c'est-à-dire l'ARS, répond quand la direction elle pose la question où est-ce qu'ils peuvent trouver des surblouses, des masques, etc. L'ARS répond aux hôpitaux, essayez de vous débrouiller. Ce qui est bien sûr très très compliqué et qui entraîne plein de problèmes dans les services et une non-protection du personnel qui est tout à fait scandaleuse quand on connaît la gravité de la maladie et qui a déjà, pas à Dieppe heureusement, mais il y a déjà des collègues qui sont morts du coronavirus, en particulier sur la PHP, où on compte déjà malheureusement 3 décès parmi les collègues. Donc on a tout ça, et puis pour la suite, pour ce que tu me demandais, c'est-à-dire, oui, on a des inquiétudes très fortes sur toutes les autres pathologies qui ne sont pas prises en compte actuellement auxquelles on ne peut pas répondre. Ça ne pourra pas durer éternellement parce qu'on ne peut pas repousser. Il va falloir accueillir tous ces patients, toutes ces pathologies. Et on a aussi une grande vigilance sur le fait que tout ce qui a été fermé provisoirement, on connaisse très vite une réouverture pour pas que ça se traduise par une opportunité pour le ministère pour remettre en cause nos capacités. Oui, une deuxième question, Renaud. Je sais que tu es particulièrement attentif aussi à ce qui se passe dans les EHPAD. Malheureusement, on a vu que quasiment 30% des décès pendant cette pandémie sont dans les EHPAD, et que les conditions de travail et les conditions pour les résidents y sont particulièrement difficiles. Tu as un œil tout particulier, notamment
sur celui qui est à proximité, à quelques mètres seulement de l'hôpital de Dieppe, je pense, à l'EHPAD Bon Voisin. On se tient, toi, moi, je sais aussi au courant de ce qui se passe sur les EHPAD de la région dieppoise. Peux-tu nous dire quelques mots sur la situation locale, bien sûr, mais évidemment sur la situation nationale vis-à-vis de ces établissements que nous avons beaucoup défendus et auprès desquels les salariés et les résidents, nous avons mené des luttes en 2018. Oui, alors sur les EHPAD, les chiffres du ministère actuellement, qui sont déjà discutables, c'est qu'il y a au moins 7 000 décès en EHPAD depuis le début de l'épidémie. Donc c'est terrible et vous savez peut-être qu'à Boussicault, sur l'EHPAD du CHU, il y a 12 décès. Sur l'EHPAD des Escales du Havre, il y a 45 décès. Donc on essaie de tout faire pour pas en arriver là, bien sûr. Sur Dieppe, on s'est bagarré pour que je vous l'ai dit, pour qu'il y ait les masques sur le château et Michel, l'EHPAD du château Michel. Et puis il y a la situation à côté de l'hôpital, juste à côté, concernant Bon Voisin. Bon, alors ils ont eu beaucoup de difficultés pour les protections, ça s'est réglé. Plus ou moins, il y a quand même eu un problème de manque de masques FFP2. Il y a des conditions de travail qui sont exécrables. Actuellement, sur Bon Voisin, ils travaillent en 12 heures. Ils ont 12 heures de coupure. On leur dit qu'ils ne seraient pas payés de ces 2 heures, mais ils doivent rester dans le bâtiment, et même à leur étage, sans être payés. Donc, tout ça, c'est les conditions de travail. Et puis, le plus grave, pour leur mise en danger, c'est qu'il n'y a pas de test. Actuellement, à Bon Voisin, il y a 5 collègues qui ont été infectés, il y a 16 patients, résidents, pardon, qui ont été infectés depuis le début, et il n'y a toujours pas de test. On fait une pression énorme à travers ce qu'on a mis dans les journaux, ce qu'on a dit à la télé, et il semblerait que les choses vont se décoincer, qu'on va obtenir que tous les collègues puissent être testés. Mais ce n'est pas encore le cas à ce jour, et on ne va pas lâcher l'affaire tant que tout le monde ne sera pas testé. C'est la même chose qu'on demande pour tout le château Michel, pour tous les hospitaliers et bien sûr pour tous les résidents. Et là se rajoute une autre question gravissime, c'est que le ministère a édicté un dispositif, une circulaire qui s'appelle consignes et recommandations, et cette circulaire prévoit que les résidents des EHPAD ne doivent pas accéder à l'hôpital, il faut les garder en EHPAD. Or, l'EHPAD du Bon Voisin n'est pas médicalisé, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'infirmière à la nuit, et donc on ne peut pas donner de l'oxygène, etc. Et donc, pour nous, c'est absolument inadmissible qu'il y ait cette manière de maintenir les résidents infectés dans les EHPAD et leur refuser l'entrée à l'hôpital. Pour nous, l'hôpital doit pouvoir accueillir tous les patients, les infectés du Covid, qui ont besoin de soins, qui ont besoin de médecins, qui ont besoin de tous les équipements nécessaires pour ça. Et cette manière de traiter les anciens est infecte. Et bien sûr, on est avec les collègues de Bon Voisin pour arriver à surmonter ce blocage. Petite dernière question, celle que j'ai posée aussi à François-Xavier. Évidemment, tu es quotidiennement dans ton lieu de travail, c'est-à-dire sur l'hôpital de Dieppe, mais à titre personnel, comment tu vis ce confinement et cette particularité du moment, puisque c'est quelque chose que nous n'avions jamais vécu. Si tu peux dire quelques mots sur ta situation personnelle aussi et comment tu vis tout ça. Personnellement, sur le confinement, moi je suis je suis au syndicat 10 heures par jour, donc il n'y a pas de confinement de ce point de vue-là. Sur un plan plus personnel, je m'en débrouille, j'arrive à faire un peu de footing. Bon, mais je dirais que le plus dur, moralement, c'est les décès, et particulièrement les décès dans les EHPAD, c'est quand même insupportable de voir la manière dont se comporte le ministère pour sacrifier les anciens. Donc, de tous les collègues du syndicat, on a une équipe qui est bien soudée, qui fonctionne, puisqu'on a beaucoup, beaucoup de passages, on a au moins une vingtaine de délégués sur le terrain actif et qui passent au syndicat pour discuter, pour voir comment on peut faire, etc. On tient nos réunions et
ce qui nous caractérise, je crois, tous, c'est d'être vraiment en rage contre cette situation qui nous est faite, qui est faite à la population, bien évidemment, hein, mais qui est faite en particulier aux hospitaliers, d'être obligés d'être en danger, pour devoir travailler et faire au mieux, mais dans des conditions, totalement anormales. Bon, maintenant, on s'attache, le syndicat s'attache à maintenir des liens d'information, des liens organisés avec tous les syndiqués, aussi avec les salariés à travers les tracts, mais d'abord avec les syndiqués, on communique par mail, on communique par texto, on communique comme on peut pour qu'il y ait un lien assez fort, et on a besoin de trouver les moyens d'agir pour stopper tout ça. On les a un peu trouvés pour faire pression sur tout ce que je vous ai raconté avant, mais maintenant on pense qu'il faut trouver un lien plus fort entre les hospitaliers et la population pour pas pour se défendre pour après-demain, pour se défendre tout de suite. Il faut arrêter le massacre, en particulier sur les EHPAD. Il faut se défendre tout de suite pour que plus personne soit en danger ou soit obligé d'aller au travail en se mettant en danger. Donc c'est la question des protections, c'est la question des tests. Et je pense que c'est le moment de commencer à se rassembler, de commencer à s'unir sur ces exigences-là. J'ai vu aussi tout ce qui se commence à se faire. Contre la rentrée scolaire, enfin la reprise scolaire le 11 mai dans des conditions plus que dangereuses, enfin ou discutables. Nous, on a lancé une pétition qui est sur le blog où on essaie de se coaliser avec les familles, avec la population, avec tous les autres salariés et avec les hospitaliers pour se défendre et défendre en particulier les anciens. Voilà. Donc c'est un appel à ce qu'on se coalise tout de suite pour arrêter ça, pour arrêter ça. Merci. Merci Bruno pour toutes ces réponses. Je sais que côte à côte, nous continuerons la lutte dans les jours qui viennent et dans les semaines qui viennent et même dans les mois qui viennent. On ne lâchera rien et nous serons toujours aux côtés des salariés, ensemble pour lutter pour une meilleure justice et une meilleure justice sociale et surtout un monde meilleur.